Que as-tu cassé ? Rien. Tu rentres à l'intérieur. Officier de police. Si tu voulais que je me marie, tu aurais dû te marier moi quand j'étais jeune. Pourquoi as-tu besoin d'obtenir dans ce problème maintenant? Can. Tu es encore jeune, beau. Salut toi, Gumake. Il me semble juste. Beau pour toi seulement. Resham est naïf, ignorant. Elle comprendra après quelques jours que tout ira bien. Officier de police. Vous devez. Je me sens jaloux de l'intérieur. Je veux dire, regarde quand une femme apporte une autre femme chez elle alors. Alors, vous pouvez le cacher comme mis comme tu veux. Cette chose est vraie. Elle doit ressentir de la douleur et jaloux de l'intérieur. Oui. Je me sens un peu jaloux. Quand votre enfant... Non. Quand nous avons un enfant, je serai très contente. La petite mariée va gérer toutes les tâches ménagères. Elle nous servira. Et j'élèverai les enfants. Quand ils m'appellent maman aînée, j'oublierai tous les chagrins. Oubliez même le chagrin de Shabazz. Officier de police. Tu es une femme avec un si grand cœur. Non. Tu es celui avec un grand cœur. Tu as tenu la promesse que tu as faite à ton ami. Vous avez élevé le fils de la veuve de ton ami, comme le vôtre. Tu as même vendu ton arme au mariage de ce fils. Dites-moi. Pas même un vrai père fait ça, comme tu l'as fait. D'accord, je viens juste d'arriver. Où vas-tu? Asseyez-vous ici. Regardez. Après si longtemps, tu parles si gentiment. Mes oreilles avaient. Je voulais entendre ces choses depuis si longtemps, Gulmake. Ma douleur au genou était m'a tellement dérangée. Comment pourrais-je parler gentiment? Officier de police. Où est ta douleur au genou aujourd'hui? Aujourd'hui, vous êtes comme une jeune fille. Tu te promènes, heureux et faisant tout le travail. Et ton discours est maintenant si doux aujourd'hui. Comment c'est? Comment c'est? Dites-moi. Laisse-moi partir. Je dois avoir ton la mariée et prête aussi. Si les invités viennent, alors ça aurait l'air mauvais pour la préparer devant eux. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Donne-moi ta main. Je vais mettre du henné dessus. Je ne veux pas mettre de henné. Ce serait mieux si tu mets des charbons ardents sur ma main. En ce moment, j'ai envie de mettre des charbons ardents sur ton corps. Mais je suis impuissant. Tu m'as beaucoup dérangé. Quand tu sais que personne n'écoute tes bêtises,
Alors pourquoi tu fais ça? Donne-moi ta main. Sinon, j'appellerai Gulbaaz. Que Dieu donne la mort à ton mari. C'est aussi ton futur mari. Tu n'as pas honte? Tu maudis ton mari. Regarde par ici. La couleur est si belle de ça. Maintenant, ne bouge pas jusqu'à ce que ce henné sèche. Officier de police, Ghoul Makaï, écoute-moi. Rocham. 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 Parle-moi. Parle quelque chose, parle-moi. Zardab Khan. Sauve-moi. Emmène-moi d'ici. Je ne veux pas épouser Gulba. Je t'ai déjà demandé de t'enfuir. Vous étiez plus préoccupé par ce village, paix et honneur. Maintenant, je te dis. Emmène-moi d'ici. Ok alors. Soyez prêt la nuit, je viendrai te prendre. Écoutez. Si tu ne viens pas, alors envoie-moi un poison. Je ne suis pas rentré dans sa monde pour mourir, je suis venu vivre. Je viendrai t'emmener. C'est ma promesse. Ishq ki raahon mein jo bhi dar badar phire, suna hai har dua usi ki hi asar kare. Jaana. Je le dis à Khan alors, il le ferait, tu l'as. Et je n'aurai rien. Non. Gulbaaz ne devrait pas savoir. Khan, se lever. Appeler l'érudit islamique. Se marier. Quoi, Ghoul Makaï? Attends la nuit.
Je me marierai alors. Il se ferait tard à ce moment-là. Qu'est-ce que tu dis? Dites-moi. Il y a quelque temps, tu étais si heureux. Pourquoi est-il si pâle maintenant? Dites-moi. Salut, Gulmaké. Après avoir regardé le aîné de la mariée, votre jalousie a-t-elle augmenté? Dites-moi. Cela arrive. Cela arrive. C'est d'accord. Durdana. Et Durdana, viens dehors. Officier de police, tu es sorti de la maison aujourd'hui. Est-ce que tu as mal au genou te permettre de faire ça? Tan fils, je veux te donner et moi une telle douleur. Où est ma douleur au genou? Bien moins que ça. Qu'a-t-il fait? Il est entré chez moi. Et j'ai essayé de rencontrer Resham. Si Gulbaaz Khan connaît cette chose, ni toi, tu ne resteras en vie. Et tu ne serais pas non plus dans cette maison. Officier de police, si c'est ta menace, alors je suis aussi une mère d'un fils. Je suis avec mon fils, dans son chagrin et sa douleur. Cela signifie que vous, tu ne feras pas ton fils comprendre. J'ai essayé de le faire. Mais il est devenu fou de son amour. Puis un fou ne devrait pas rester en vie. Tu feras tuer mon fils. Eh bien, tu peux faire tuer mon fils. Mais comment va tuer l'histoire de son amour? Officier de police. Les gens sans demander la raison du décès n'enterrent personne. Et les gens? Leur mémoire est très faible. Ils oublieront très vite. Mais celui d'une mère, la malédiction est très grande. Jusqu'à ce que ça t'arrive, ça ne disparaît pas. D'accord. C'était mon devoir de te faire comprendre. C'est ça. Et oui. Je suis venue t'inviter. Aujourd'hui, je vais. Fais de l'amour de ton fils le deuxième épouse de mon mari. Si tu veux faire partie de mon bonheur, viens. Sinon, je le ferai. Viens faire partie de la douleur de ton fils. Toutes les limites ont été traversées. Cette personne folle, il est allé rencontrer Resham. Dans la maison de sa belle-famille. Tout le village sait. Gulbaaz Khan est très colérique. Il parle après. Et tire en premier. Dilaur Khan, tu ne dis rien. Pourquoi es-tu silencieux? Je réfléchis à une solution à ce problème, maman. Il n'y a qu'une seule solution à ce problème. Ghul Makai reçoit Resham marié à son mari aujourd'hui. Tu devrais prendre lui loin d'ici. Quand tout ira bien, tu peux revenir. Maman, il me semble. Si Gulbaaz Khan obtient marié à Resham, alors Zardab Khan ira bien. Il est venu. Mon frère Lion, comment vas-tu? Où étiez-vous? J'étais ici. Où serait-il? Il doit être en itinérance autour de cette sorcière. Ce soir, elle a son deuxième mariage. Oublie-la maintenant. Il y a beaucoup de le temps jusqu'à la nuit. Je te l'ai déjà dit, maman. Resham n'est qu'à moi. Elle n'appartient à personne d'autre. Je l'ai laissée partir une fois, maintenant je ne la laisserai pas partir. Il a tout à fait raison. Je veux aussi ça. Que Zardab Khan et Resham sont ensemble.
Maman, tu sors dehors, faire de la nourriture. Zardab est venu, j'ai aussi faim. Zardab, écoute, il y a beaucoup du temps dans le mariage. Tu devrais te reposer un moment. Penser à quelque chose. Je penserai aussi à quelque chose. J'y vais maintenant, pour un moment. Quand je reviendrai, nous pouvons tous les deux y aller ensemble. D'accord. Je vais. Dilaweka. Salut, Dilawarka. Dilaweka. Oui, Nomanula Khan vient aussi. Cette fois, ton la récolte est très bonne. Mais je ne l'ai pas fait manger, ne serait-ce qu'une cerise. Salutations à vous. Salutations à toi aussi. Shafala Khan. Comment vas-tu? Gulbaz Khan, quand est-ce la famille du marié vient? D'où vient le marié doit venir? De la maison du marié. Shafala. Tu es le père de la fille. Vous ne savez pas. Qui est le marié? Eh bien, cette chose que j'ai laissée. Gulbaz Khan décidera. Gulbaz Khan est votre futur gendre et le marié d'aujourd'hui. Gulbaz Khan. Shafala, viens. Je suis. Gulbaz Khan. Est-ce la vérité? Shafala. Je t'ai dit cette chose. Avant. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que tu étais marié ma fille. Parle lentement. Shafala. Parle lentement. C'était quelque chose pour que tu comprennes. Je t'ai parlé très clairement à ce sujet. Je te l'ai dit. Ça pour la mariée. Avec moi. J'ai aussi obtenu ta permission. Quel est le problème? Vous n'avez pas dit directement cela. J'épouserai ta fille. Gulbaz Khan, vous m'a trompé. Je ne laisserai pas cela arriver. Shafala. Vous menacez moi dans ma maison. Ce n'est pas une bonne chose. C'est une très grande chose. Regardez. Je suis celui qui allège le fardeau sur ton épaule. Vous ne le comprenez pas. Pourquoi? De quoi faut-il s'inquiéter? Gulbaz Khan. Comment peux-tu faire ça? Pourquoi je ne peux pas le faire? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Il est permis. Absolument permis. J'ai demandé à un érudit islamique. Si tu n'y crois pas, alors va te demander. Quoi que ce soit autorisé ou non, je ferai ce mariage. Il s'agit maintenant de mon honneur. Et si tu veux, ne laisse pas ça arriver ou créer des obstacles. Alors je jure, Shafala. Je vais te tuer ici. Écoutez. Même avant mon mariage, ta fille avec mon fils. De Lac. J'ai donné de l'argent au contrat de mariage. Je l'épouse maintenant. Je peux donner un lac de plus. Est-ce que tu comprends? Pensez avec la tête froide. Pas avec la tête chaude. Ça a l'air tellement belle dans tes oreilles.
De toute façon. Bijoux. Ça va bien à toutes les femmes. Je pense que tu as j'ai compris ce que je t'ai dit. Il aurait pu être mieux si tu avais accepté d'abord. Tu m'as tellement troublée. Je prie pour que ton mari ait une longue vie. Vous ne le saurez pas pour que je prépare. Et qui va être mon mari? Savez-vous, aucune femme ne donne jamais à son mari, comme ça avec une autre femme. Mais regarde-moi. Je te prépare moi-même. Pourquoi tu fais ça? Je pense aussi, pourquoi fais-tu ça? Il y a encore le temps, écoute-moi, arrêtez ce mariage. Je sais, si tu veux, ce mariage peut s'arrêter. Non. Je n'arrêterai pas ce mariage. Je ne ferai pas ça. Jamais. Salutations. Salutations à toi aussi. Viens, viens t'asseoir. Salutations à toi aussi. Viens t'asseoir, assieds-toi. Salutations. 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 Asseyez-vous. Ouvre la porte, Dilaweka. Cela ouvrira demain. Je n'ai pas voulu voir César Dapkan. Mais je suis impuissant. Pardonne-moi, mec. Non, Dilaweka. Dilaweka, Rocham m'attendra. Tu ne peux pas faire ça, je lui ai promis. Rocham m'attendra. Dilaweka, ouvre la porte. Dilaweka. Gulbaaz Khan, fils d'Arbaaz Khan. Avec l'argent du contrat de mariage. 50 000 roupies. Êtes-vous d'accord avec ce mariage? Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord? Toutes nos félicitations, la mariée a dit oui. Toutes nos félicitations. Félicitations à tous. Toutes nos félicitations. Félicitations à toi aussi. Amine. Toutes nos félicitations. Toutes nos félicitations. Félicitations à vous. Félicitations à vous. Toutes nos félicitations. Toutes nos félicitations. Toutes nos félicitations, Chafolakan. As-tu été battu aujourd'hui aussi? Qui t'a battu? Qui peut me battre? Est-ce quelque chose à demander? Ici, madame, prends cet argent. Si je n'y vais pas, il va se mettre en colère. Je dois y aller. Pourquoi vas-tu lui s'il te bat? Si je n'y vais pas, il va battre les enfants. J'y vais, madame. Bien. Cet argent. Cet argent. Elle m'a donné pour garder en sécurité. Sinon, son mari, je vais le lui arracher. Mais reste. C'est le droit du mari. Pourquoi se cache-t-elle de l'argent de lui? Il devrait la battre. Toutes les femmes de le quartier. Donnez leur argent durement gagné. À moi pour la garde. Parce que je leur ai dit. Et c'est une bonne chose. Alors pourquoi fait-il ça? Vous avez juste je me suis récemment mariée et tu n'as pas d'enfant. Par conséquent, vous je ne comprendrez pas. Quand le temps viendra, tu comprendras. Ce n'est pas une bonne chose tromper ton mari. Les femmes qui collectent de l'argent pour son mari et ses enfants. Cela les aide à l'avenir. Seule une femme peut sauver. Un homme ne dépense que. Il est très négligent. Avez-vous compris?
Où es-tu prendre cet argent? Où vais-je l'emmener? Alors pourquoi tu le comptes? Je le compte pour mon contentement. Qui sait, j'ai le compté à nouveau. Ô moi, cher Seigneur, chaque fois que tu donnes, vous donnez beaucoup. À quoi penses-tu en ce moment? Tous les soucis, j'ai fini maintenant. Seulement 2 jours de il reste du travail maintenant. Et quel est le travail? Le maquillage leur appartient. Les vêtements leur appartiennent. Seul votre film sera réalisé. Et 3 lacs de roupies viendront. Inquiète. S'il y en a problème, dis-moi. Razia est venue à la maison de Sœur Sarah. Sainte Marie a gelé beaucoup battu. Elle se cachait l'argent de son mari. C'est pourquoi. Alam Zeb. J'ai peur. Effrayée. Pourquoi es-tu effrayée? J'ai peur de l'argent. Alors tu penses que je le ferai? Devenir comme le mari de Razia. Dieu pardonne. Est-ce que Sœur Sarah a dit quelque chose? Non. Pourquoi dirait-elle quelque chose pour moi? Je me sens vraiment désolée quand je vois Razia. Elle travaille. Et se fait battre aussi. Dans ce quartier, tout le monde vit comme ça. Nous ne devrions pas vivre dans ce quartier maintenant. Nous devrions chercher une maison dans un autre quartier. Quel est le problème cette maison a-t-elle? C'est bon. Si nous passons à une maison chère, comment va faire une maison au village? Nous ferons une maison dans le village. Et une maison en ville aussi. Tu verras. Ma maison est avec toi. Peu importe ce que tu dis, je le ferai. J'ai mal au cœur pour Razia. Pouvez-vous demander à votre patron pour lui donner du travail? Ne soyez pas impliqués dans leurs affaires. Son mari est complètement inutile. Il s'est habitué à manger gratuitement. Cela me semble bizarre. Qu'un homme ne gagne pas. Et une femme gagne. Comment fonctionnera la maison? Ça a l'air bizarre. Maintenant, regarde. Les gens le feraient aussi. Parlez dans notre dos. Vous gagnez plus. Et je gagne moins. C'est différent pour nous. Je gagne aujourd'hui et pas dans le futur. Vous avez l'habileté de conduire. Qu'est-ce que j'ai? Je mange de mon destin. Et on ne peut jamais l'être sûr du sort. Idiot. Ayez bonne espérance de Dieu. Ne perds pas espoir comme ça. Restez heureux. J'arrive dans une si grosse voiture. Puis toutes les femmes du quartier me regardent bizarrement. Vous ne devriez pas vous soucier d'eux. Pourquoi vous souciez-vous d'eux? Mon apparence a également changé. Je ne sais pas quoi tout le monde doit réfléchir. Et je ne trouve pas non plus le temps. À qui je vais parler eux ou s'asseoir avec eux? J'arrive à rencontrer Sœur Sarah et Razia avec difficulté. Je sens ça. Tout le monde ne le fait pas pense bien à moi. C'est pourquoi j'ai été te disant, pendant tant de jours, nous devrions changer de maison.
nous devrions changer de maison maintenant. Mais tu ne me comprends pas. Devons-nous avoir peur de qui que ce soit? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Non, tu ne le fais pas faire quelque chose de mal. Mais, ces gens pensent que je fais quelque chose de mal. Je ne peux pas expliquer à tout le monde. La seule solution est qu'on change de maison. Alors, où irons-nous? Les gens ne parleront pas là-bas. J'irai dans une maison où tous les cols blancs vivent. Et où ils vivent. Là-bas, c'est les choses n'arrivent pas. Personne n'a le temps. Tout le monde est occupé dans son travail. Bien. Si tu le dis, je suis d'accord avec ça. Alam Zeb. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, Resham me manque beaucoup. Chaque fois que je pense à elle, mon cœur est bizarre. Je prie pour qu'elle aille bien. Appelle-la. Pourquoi tu n'appelles pas? J'ai essayé d'appeler elle tant de fois. L'oncle. D'abord, je me laissais parler. Maintenant, il ne me laisse pas parler. Essayons encore une fois. Attends une minute. Bonjour. Oncle, je suis Paloisha qui parle. Je veux parler à Resham. Resham n'est pas là. Où est-elle allée? Est-elle allée à la maison de son père? Non, elle n'est pas allée à la maison de son père. Alors, où est-elle partie? Elle s'est remariée. Remariée. A-t-elle épousé Zardab? Fille, n'ose jamais appeler ici. Lâchez l'appel maintenant. Elle est idiote. Elle est folle. Je ne sais pas où sa vieille homme mariée à Resham. Elle n'a pas été mariée à Zardab. Dès qu'il a écouté à son nom, il s'est mis en colère. Ne le prends pas trop à cœur. Resham doit aller bien. Elle me manque beaucoup. Je n'ai qu'un seul ami. D'accord, ne t'inquiète pas. Je saurai qui elle a été mariée à. Tout d'abord, laisse-moi changer cette maison. Ensuite, nous pouvons aller et visiter le village. Vous pouvez rencontrer votre mon ami Resham aussi. De cette façon, je peux rencontrer tout le monde. Vraiment? Oui, oui. Nous irons au village. Oui, quoi d'autre? Ok, ok. Nous irons au village. Tutengi kaise ye zanjeere bhala? Tutengi kaise ye zanjeere bhala? जब रस्मों रिवाजों में हर एक है बंधा बेवजह Officier de police. Merci à Dieu que tu sois venu. Je t'attendais. Salut Gulmaké. Pourquoi m'attends-tu? Es-tu fou? Je ne l'étais pas, mais la mariée t'attendait. Je l'ai eue près par moi-même. Quand tu la vois, tu continueras à la regarder. Laisse-la attendre. Il y a une joie à attendre. Je suis avec mes amis en ce moment. Tout de suite. Nous sommes en pleine conversation. Mais pourquoi es-tu réveillé? Salut Gulmaké. Ici, regarde par ici. Pourquoi pleures-tu? Pas du tout. Je ne pleure pas. Quelque chose est entré dans mon œil. Regarde, c'est rouge maintenant. Quand j'irai et laver-le à l'eau froide, tout ira bien. Salut Gulmaké. Non, officier de police. Ce n'est pas une bonne chose, regarde, ce mariage. Je l'ai fait seulement pour toi. Tu l'as dit toi-même. À moi de me marier.
après avoir tout fait tout seul. Tu pleures maintenant. Pourquoi vais-je pleurer? Je suis heureux aujourd'hui. Oui, je suis content. Si vous êtes heureux, alors pourquoi y a-t-il les larmes aux yeux? Pourquoi vais-je pleurer? Ces larmes sont à cause du bonheur. D'accord. Vas-y maintenant. Allez.